vraiment pas un gramme. T'as bien de la chance. Bah tiens, du fer. Déjà ? Ils sont généreux. Voilà, vous devriez voir un peu mieux. Maintenant que j'ai réduit le brouillard. Je dois être en cours. Alors, encore t'as commencé à creuser ici. 8 de fer. Eh ben, punaise, c'est magnifique. Hein. Commencez déjà avec autant de fer. Que dirais-tu d'un peu de minage optimisé ? Optimisé, je sais pas trop. Enfin, optimisé, ça risque d'être un peu dur. Que déjà, la restone. La restone, oula, je t'ai pas tapé, non ? Je crois pas. Non. Non, pour la restone, il faut quoi pour la miner ? C'est de l'acier au minimum, non ? Ouais, du fer. Des torches, faut que je fasse des torches. Encore du fer ! Décidément, on peut dire que nous avons de la chance. Non, cette map, pas mal. On a eu du mal à trouver une map qui puisse essayer de vous satisfaire. Hein. Et de nous satisfaire. Et de nous satisfaire, hein, parce que on avait prévu au départ de faire cette aventure. Sauf que faire cette aventure alors que nous avions que des biomes de type terre ou neige, c'est pas franchement fun. Je creuse pas trop long parce que si on creuse trop long, on risque de tomber. Oui, justement, c'est pour ça. Et ne te mets pas derrière moi. Pour pas que je te pousse. Du coup, faudrait que je commence à creuser ailleurs, moi. Bah, à l'opposé. En profondeur. Par contre, ça serait bien aussi d'aller voir l'heure parfois. Alors, nous sommes des couards. Nous entrons. Ouf, j'ai failli tomber. Pourquoi ? On est déjà atteint le vide ? Oui, et je suis tombé sur du fer. Disons qu'on peut dire qu'on va pas aller très loin. Alors, d'accord. Fais très attention. Oui, mais on doit. Oh, qu'est-ce que je vois maintenant ? De l'or ! De l'or ? T'es sérieux ? Oui. Alors, pour avoir de l'or, il faut des pioches refaire. Je vais m'en faire. En même temps, je regarde l'heure qu'il est. Bah tiens, justement, l'or, ça va nous aider pour l'heure. On va créer une montre. Exact. Combien de temps nous reste-t-il ? On a dépassé le temps. Eh bah tant pis, ce sera une vidéo en deux parties. Alors, dans ce cas-là... on peut dire hein, bonjour les copains, si on veut. Hein, donc, ce vidéo sera en deux parties. Ah, encore un parasite. Oh là ! Oh, j'entends du bruit. Ah, lui il a compris direct. J'entends du bruit très proche. Oui, c'est du zombie qui a dehors, je suppose. Je sais pas, ça doit pas être de gore, ça doit être vraiment à côté. C'est vraiment stressant. Avant toute chose, est-ce qu'il reste... Oui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. On va créer un coffre, hein. Oui. Dans tous les cas, on en aura besoin. Bon, je ramène l'or. Voilà. Le problème dans les biosphères, le minage est très limité. Il est affreusement limité, étant donné que on est limité par la taille de la biosphère. Voilà. C'est zombie qui est dehors ? Je sais pas, parce que... On n'a pas le droit d'utiliser F3. Hein. Oui. Pour le préciser, interdiction d'utiliser F3, hein, on se repère à l'oreille. Parce que Minecraft, Notch n'a pas encore inventé les lunettes à rayon X. Le mode rayon X existe, hein, mais c'est seulement pour les minerais. Les montres n'existent pas encore, et de toute façon c'est pas intéressant. Allez. Je vais trouver ton zombie. Ah, où c'est qu'il est ? Devant la porte ! Il toque à la porte, là. On dirait qu'il fait... je vais... Non, ça c'est le coffre.
Attends, je vais me le faire. Il est où? Il a dû partir à droite. Ah, et je crois qu'il commence à faire jour. Je sais pas, on dirait. Attention, je cours. Je suis un suicidaire. Oh, besoin d'aide. Squelette. J'essaie de repérer la lune. Je suis un gore, je me tire. Ouf, c'était juste. Alors. Voilà, l'art de couper les mobs à travers les portes. N'empêche, faut le faire. Faut passer une épée à travers les mini-vers. Bon. Attention, il y a un squelette qui est pas très très loin. Oui, je confirme, il est pas très très loin. Et il pleut. Il pleut ? À un endroit, il pleut, mais il peut pas pleuvoir dans les biosphères, alors. Pourtant, il commence à crever, hein. Oui, mais il pleut pas dans les biosphères. Meurs, Dieu, un creeper. J'étais absolument très proche de l'explosion, je veux dire, t'as franchement eu de la chance. Je l'avoue. Tu étais au bord de l'explosion. Regardez ce magnifique trou. Presque magnifique, hein. Il y a deux blocs là-bas qui font des feux. Bon, sinon. D'ailleurs, j'ai bien fait de prendre la redstone qu'il y avait pour faire une horloge. Je précise, on n'a pas le droit de faire de boussole, parce que c'est un peu cheaté avec nos commandes admin, on peut se téléporter avec. Exactement, quoique moi je sais pas si je suis admin, mais green boussole c'est pas terrible. Surtout qu'on risque, de toute façon, on risquerait de se TP tout simplement au-dessus de la bouboule où on a commencé. Alors, vu qu'on a dépassé largement le temps limite depuis tout à l'heure, cette vidéo sera donc en deux parties, je l'ai déjà dit mais c'est pas grave. Mon cher Mitom, à combien de temps en sommes-nous? Nous en sommes à 21 minutes et 47 secondes. 21 minutes, donc avant la 30e minute, hein, on vous dira au revoir. Alors ça fera du coup deux épisodes. Deux épisodes ou un, deux parties, on verra. Hein. Hop, une torche. Tu as creusé l'or. Oui, j'ai tout pris. Je vais creuser un peu plus en profondeur. Ça ne dérange pas. Non, ça ne me dérange pas. J'ai tué des poulpes là, alors. Alors. Ah bah tiens, il y a du sable sous l'eau. Hop. Ouais, tranquille. On va mettre. Tiens, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est de la redstone. Mais il me semble qu'il y avait une grotte, non? Elle se trouvait au bord de la biosphère, donc c'est peut-être un peu risqué d'y aller. Ouais, c'est vrai, au cas où il y a un monstre, par exemple un archer. Il y avait un archer justement tout à l'heure. Ça serait intéressant en fait d'aller la... Ouh, j'ai failli tomber du pont. D'aller la visiter. La grotte? Ouais. Et aussi d'aller prendre des minerais sur les grandes sphères. Sur les grandes sphères faites pour être découpées. Oui. Bon, nous, oh, des vaches! Festival de la vache! Mais, alors, continuons de creuser, de creuser, de creuser. Je trouve absolument rien, c'était la dèche. J'ai de quoi faire un casque pour une seule personne. Eh ben vas-y, fais-toi plaisir. Mieux garder en stock. Ouh, lag. Léger moment de gros lag. Bon. On a déjà 14 sphères. Et moi, je remarque que nous atteignons la limite de la biosphère. Parce qu'après, c'est... hein, vous le voyez, il n'y a pas de fond. Et je m'en vais de ce pas le pousser dans le vide. Tu peux essayer, j'aurai le temps de reboucher. Bon, je vais miner de l'autre côté. Voilà, alors ici c'est foutu, nous ne pouvons pas aller plus loin. Niveau redstone, on a quoi? Redstone, on en a 17. Donc on n'a pas besoin de reprendre.
Et on a quoi d'autre de niveau niveau redstone par rapport au minerai? Il y a de l'or à ce niveau-là ou pas? On Enfin, oui, il y a de a l'or, mais un seul or, un seul 14 fers. bon, pour un premier épisode, enfin, premier épisode, deuxième peut-être, ça verra. Ce serait pas mal. Hein. Eh ben, je crois que j'atteins la limite aussi par ici. Eh ben, on peut aller très loin comme ça. Voilà. 25 minutes. 25 minutes. Là, je vais poser. Alors, je vais poser des torches au sol. Hein. Si je pose des torches au sol, c'est que généralement, si tu creuses en dessous, c'est le vide. J'ai remarqué d'ailleurs qu'on était assez loin. Enfin, assez loin sur le côté. Donc, du coup, il faudrait peut-être creuser plus au centre. Je sais que tu es passé d'ailleurs. Je suis en train de prendre un seul de charbon qui était au-dessus du vide. Du coup, D'accord, j'ai galéré, surtout pour un seul de charbon. tu es là en fait. Ouais. Je ne t'avais point vu. Pourquoi j'ai quelque chose? J'ai rien dit. Continuons notre visite. Donc c'est la première biosphère que nous visitons. C'est un biome terre. Alors, si vous avez des suggestions par rapport à la construction, on vous attend. Commentaire. Nous, on réfléchira à notre côté. Peut-être des cabanes dans l'arbre, hein, vu que c'est un biome terre. Et qu'il y avait beaucoup d'arbres, d'ailleurs. On verra, il y aura peut-être des critères aussi qui changeront. Hein. S'il y a beaucoup d'arbres, on mettra des cabanes. Ou alors, si on n'en a pas beaucoup. Ouh, Qu'est-ce qu'il y a? j'ai cru que j'allais tomber sur de l'eau, mais non. Parce Ah, que je suis tombé sur du sable en faisant. je suis au bord du trou. Enfin, je suis au bord et je vois la magnifique biosphère en face. D'ailleurs, si vous avez des yeux aussi perçants que les miens, je vois de la redstone sous le pont. Ainsi que pas mal de charbon. Et Énormément de de fer. charbon. Non, il n'y a pas de fer, il n'y a que du charbon. Et j'ai pas mal de slots. Enfin, pas mal de cubes. Là, vous voyez le monde qui a été tranché. Hein, littéralement. Même le lave a semblé complètement coupé. Bon alors, nous allons pas nous attarder plus longtemps, hein, on va reculer. Bon, j'ai pas besoin de mettre un autre tube, hein, tu verras bien que dehors c'est joli, c'est tout beau, mais il faut pas aller trop loin. Par contre, c'est vrai que niveau minage, on est un peu limité. Hein. Alors qu'en face, par exemple, hein, vous voyez, la sphère est nettement plus grande. Ce qui serait bien d'y aller. Sauf que nous aurons le droit d'y aller seulement lorsque nous aurons terminé une construction ici. Alors, on s'ennuie pas. Certes. Ah, c'est bon. Tu remontais? Je prends du bois là. D'accord. Alors, vous voyez, je lag encore. C'est pas très pratique pour vous. Pour toi non plus. Pour moi non plus, effectivement. C'est assez casse-pied. Wow, là, tu as fait du super minage. Là, il y a du sable. Magnifique. Pourquoi tu t'es arrêté ici? Parce que j'avais besoin de bois, ça pourrait être utile. Et aussi j'étais allé voir de voir si jamais il n'y avait pas de mouton, mais il n'y a pas de mouton. De creuser, de creuser. Ah, ça y est, nous atteignons la limite. Bon, je vais reprendre la torche avant. Et je pense que c'est sur ça qu'on va s'arrêter. Ah, ça fait déjà 30 minutes. Eh ben. Donc, à plus les amis, et à bientôt pour un nouvel épisode de Biosphere Adventures.